La sola, da, tomang, anzo, tene, chunin, de zamba, drova nanka don, yambe, paman sentin tamche, enge deva tamba, lana meba yon taba zogo, sunji joko horum buche toba cha, e tsurdo, anin tambe chu, sene, nyansu lengo, nyambe, kolondon dembe gone, sero non. Rinpoche nous invite, même plus nous exhorte, nous demande de nous mettre dans un état d'esprit particulier avant le début de l'écoute de cet enseignement, l'état d'esprit suivant, c'est-à-dire d'élargir de rendre vaste le fait qu'on soit concerné par l'ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, et que pour que l'ensemble de tous ces êtres qui sont aussi proches de nous que notre propre mère de cette vie-là puissent atteindre le bonheur, puissent s'extraire radicalement de la souffrance en atteignant l'insurpassable vitalité authentique et parfaite, nous allons utiliser le moyen présent dans cet enseignement afin de le mettre en pratique. Et du coup, on écoute cet enseignement avec pour seule motivation d'être bénéfique de la meilleure manière qui soit et à vaste échelle à l'ensemble de tous les êtres. On l'a sauté, il y a Taringanzo Kasu Papa, tu chier de carré de sénat, un entretien tonton Jabouge, Zébé, Tienenze, Ndroden Kajabé, Mirin, Colleret. Rinpoché se propose à nouveau de commenter
dans son enseignement la pratique de Tonton Gelpo, la pratique d'accomplissement de Chenrezig proposée par Tonton Gelpo, qui s'appelle Kachama, de commenter les phases, les différentes phases de la pratique. Natalia, je don ngajo tenezin rodlen kacha me nyaleng kala je nyaleng rimban da wo te tombo jorwa chando dong senche ni che mu ye de ne hla gam ba don ngwa da wa ni ju ne lam de lam chir don ne ho ba melang ko kola Jendo. Si on veut comprendre la constitution de cette pratique, on peut la diviser en différents stades ou étapes qui sont, en gros, au nombre de trois, mais on peut encore d'avant. Les trois grandes étapes, c'est l'entrée, la pratique principale et la sortie. Et ça se subdivise, quand on dit l'entrée, les préparatifs en prise de refuge, esprit d'éveil. Le plan principal, la pratique principale de la pratique, c'est la méditation sur la divinité, la déité et la récitation du mantra. Et la sortie, c'est le fait d'amener la pratique dans son comportement. Donc, de faire que la pratique s'exprime dans le comportement intercession, post-méditatif, dans la vie de tous les jours. Et d'autre part, la dédicace, les prières de souhait. Nathalie, il y a quand même une main qu'on a dit, Jorwa, Jandroton, Senjek, Mipa, Kariyi, Minton, tene muye la gombe kala tene yedam chene ze gandi sen sal tago ko yomi kola do simbare. On a déjà abordé dans les sessions précédentes l'entrée, on dit l'entrée littéralement, donc les préliminaires, en fait, la prise au refuge esprit d'éveil. Ensuite, dans le cœur de la pratique, on est arrivé on a terminé l'explication sur la méditation sur la déité, et donc la manière dont il fallait clairement visualiser le vénérable Chenrezig. Et là, bah dans ma dawa ni non est dans la gamba quoi de conjoint et on tenzini de je tiens le tenir consulte là tabaton solatane solatabato son de gone tuji kwaton ane tranonje weather todula tene goson la nanjo de saba ni yobe none ta kasen jeton nganzo den memal ya tene sonde jugone tujikoba che tene sonde jugone tujikoba ton ten jebu ke tene ane ti pata kale ya la ta chene se le ya or gante no ya la so bo te chi ju jile ya ten yen la din ba yen la dibu ko to so kasen kon nga jo de se ja sa son nga so la cette partie de la du corps voilà Gonda dit Gondaroa. Désolé, hein, c'est... Allô? Lasso. Oui? Oui, j'arrive. Ani Kalmachik Gugiroa. Attends, je reviens. Lasso, tu rompes, non? Une minute. Tu l'as appelé? Non, j'y vais, Junka. J'y vais directement. Lasso. J'aime pas attendre de dire non l'air le paquet qu'on gagne avec là. Où est-ce que tu bêtes?
Sorry, Rinpoche, there is nobody can speak in Tibetan. Okay, you can speak Tibet. He have a package, postal package, so he go to take it. Okay, okay, I know. This is the reason why you... Alexander, si tu veux parler, il faut ouvrir ton micro. Hein. Je ne sais pas ce que tu veux, tu as levé la main. C'est en bas à gauche. Boganda, ok, pardon, c'était long. Vous m'entendez? Oui. Alors, pardon. Rinpoche disait donc que dans ce corps de la pratique, dans cette partie, cette sous-partie qui est la méditation sur la déité, on avait déjà vu ce qui se passait avec le corps, les corps, paroles et esprits. Yochen Rezi, les différentes étapes, les prières pour solliciter, exhorter sa compassion, quoi, solliciter sa compassion, les rayons de lumière qui partaient et qui revenaient avec la compassion des Bouddhas et des Bodhisattvas, et le fruit. Et le fruit était actualisé par la prière en sept vers, qui servait à accumuler du mérite. Donc, on avait vu la prière en sept vers la dernière fois. Voilà ce qui constituait l'essentiel du dernier enseignement. Lasso. Dene mal taron sonde yemba jindo nanjin ganzo ta chozo no nyalen se devka la sonde yemba ji ne de sonde de pe sa chembo jilan chembo ane sonde de ngaron so kan ji so wa ta ba zon je ane ma sei to so re yen den ba zon je ane pa ba jen se ke ku gam ba don je hwa don be ke pian Maintenant, il y a une autre pratique, une autre prière qui est Sachinpo, qui est tout aussi primordiale, qui est hyper importante, qui est chargée en bénédiction, qui contient beaucoup d'influx spirituel, bénédiction. Et dans cette prière, on va comprendre ce qui est vraiment à l'œuvre lors de la récitation de ces six syllabes qui constituent le mantra de Chanayu. Lasso, laisse l'entrant parler à Chanayu que Pécha Yubé. J'ai. Nala, Lounès, Nala, tu sais ça. J'ai, Yere. Oh, Lasso.
ta Gembo, chili, jayin, machi, so, nanjin, sunji, topper, chinjilo, c'est pas de ma, France, qu'est-ce que tu as? Donc, j'ai dit qu'il demande que je récite en français aussi. Donc, on est à la page 18 du texte. Alors, au début, hein. Je prie vers vous, la Machian Rezi. Je prie vers vous, Yidam Chan Rezi. Je prie vers vous, Arya Supreme Chan Je prie vers vous, protecteur des êtres, Tien Rezi. Je prie vers vous, protecteur plein d'amour, Tien Rezi. Bouddha compatissant, gardez-moi dans votre compassion. Pour les êtres qui errent à travers d'innombrables existences de samsara sans fin et qui éprouvent les souffrances intolérables, il n'existe pas d'autre refuge que vous, protecteur. Accordez votre bénédiction afin que soit obtenue l'omniscience des Bouddhas. Ça va jusqu'où? Par la force des actes néfastes accumulés depuis les temps sans commencement sous l'emprise de la colère, on prend... Non, c'est ça. L'avant-dernière phrase. Accordez votre bénédiction afin que soit obtenue l'omniscience des Bouddhas. Namken Sanje Topar Jinjilo Bra. Topar Jinjilo. La Sore. Tandis non, dante, tene, France non, là, celle où je dirais. Tigre tendant d'avoir tatu les lavots en chuna. Venez à Ronzo, Benyani. Yedam Jinjilo Bra. Da kong la lama yedan pancho se de kan kong tar chun du ya na nga rong so ge jene se de lama yong nga rong ge lama yong jene se yedan yong jene se ta kan ga che te che te la jene se de kun chu kin du ju ngo wo jene se yin gu gu yo re te yin ban nong yin te de ne sa ge do kun chu kin du se de ta nga rong so song ji chu gen de ga nong yin te ne lama yedam chojon ganga tene chik du du bge ngo wo tamji tene jene ze tene jene ze te la ta ngaron chog so wa yal khare ta gu do se na dowa nanga do nyam be sinjin tamji tene ko wa dong ha ji jan so la dong ha nyong yim ba to so a ro zen ke Cherong la ba yin suyong mido, stay in the telata, Papa Genesis, Cherong Gangzol, Senji la ne, Senji Karela Gugur Sena, Naronsoga, Senji Semla, Nyamon Tokna Yore, Nyamon Tokna de Shine, any Senchin Yen, Zabaton, Ninje, or Changinji Chonjuk Sen, Jail Jay, Vukatane, that, Senji la, Nanzoga, Sem, Jombote, Ma, Jombo Meva. Zoro Chies and the Malam Jagos. Jumbo, Saint Jumbo Sena. Saint Jumbo Sena, Saint Tapor was Saint Namjin, not Marons or Saint Jumbo Te, Marons or Sena, Niamon Besenra. Niamon Bandeja, non te mutu, that Jumbora. That's alors, Rinpoche dit que dans ses vers, c'est assez clairement exprimé en français, ça dit clairement en tibétain, il pense que la traduction française est assez claire, hein. De ce qui est exprimé ici. En résumé, ce qui est exprimé, c'est que Chen Rezi est la personnification, le condensé, en fait, le résumé, le condensé de tous les Bouddhas et Bodhisattvas des trois temps et des directions, certes, comme on a dit précédemment, mais également Lama, Yidam, Dakini, les protecteurs. On doit, alors là c'est pour les pratiquants, c'est-à-dire que si on sait ce à quoi ça fait référence, lama, yidam, protecteur, etc., et là à cette étape de la pratique, on doit considérer tous ces différents aspects qui sont normalement bien distingués et déterminés comme étant Chen Rezi. Donc Chen Rezi est le lama, Chen Rezi est la déité tutélaire, Chen Rezi est la Chen Rezi est le protecteur, etc. Chen Rezi est le Bouddha, le Dharma, son enseignement, les trois rares et sublimes également, les trois joyaux. Et tous ces différents aspects qui ont chacun, on peut dire à l'ordinaire en quelque sorte, leurs caractéristiques propres,
se retrouvent ici exprimés tous sous la forme de Chenrezig. Donc, Chenrezi est tout à ce moment-là. Il y a Lama, Idam, Kandro, les trois joyeux, les trois rares et sublimes. D'une part. Et d'autre part, il y a le fait que comme il concentre tout ce qui ne sert qu'à aider les êtres, et du coup, là, on est directement concerné. Non seulement par Chenrezi, la figure de Chenrezi, mais également par tout ce qu'il condense. Là, en l'occurrence, dans cette prière-là. Et donc, son influx spirituel, sa bénédiction, on peut dire, est démultipliée. Et on la dirige, en quelque sorte. Nous, on dirige cette puissante bénédiction. On la dirige, comment on la dirige? Vers l'élimination, alors dans l'esprit de tous les êtres qui en ont besoin, hein, vers l'élimination des cinq poisons. Donc, les émotions comme je parle. Et on lui dit, dirigez toute votre bénédiction, tout votre influx spirituel, tout votre bodhicitta vers la sublimation, la disparition, l'élimination de tout ce qui perturbe l'esprit des êtres, afin que cet esprit puisse être libre de tout défaut. ma nibozoro chees ne melam ta ta sen jombo de nibozo ya kari cha verse na dikha do tel ngam jo chila kari jo gu verse na nanji na ngaron so ge pe na lu nga ye song ge cheba do so korwa di nong le ma do je ge te ne tarwa do thomji chim bu go phong ge che do le ga du ya de nyun nyun cha de ge re de in de ta nanji song namba thomji chim ba jo bu song ji jo go phong 톡고나 땅 아론조 샘들은 주바지 동고거래 샘들은 주바 가리 동고거래서나 난다 아론조를 가여래서나 몽치슈게 쳔디 체도 코르 롱제 벤조 년다 용양게 체도 드니 자바자거래 산은 동고거래 디체도 내가 제 깔리자거래 티콜라 깔레 가세 가세 잡이 이나 용 pena korban dinol tene koba chanse ge jo ngaron so dongon yomo ge tsawa da bo ma to je ge tene ti ge yong ta be de ba te to tu ge yo ma re Voilà, c'est bon. Et donc en condensé hein, la prière consiste à demander à Chenrezi de purifier notre esprit, quoi. De libérer notre esprit. Et on lui demande ça avec ferveur. S'il vous plaît, veuillez faire en sorte que notre esprit soit libre de toute perturbation. Bon. Alors maintenant, comment ça marche? Il faut savoir comment ça marche. On ne croit pas une opération magique, hop là, des émotions dans notre esprit. Hein. C'est que comment ce qu'on appelle les bénédictions du corps, parole et esprit éveillé de Chenrezig opèrent? Ben de la manière suivante, faut que ça marche en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'actuellement, on agit, en général, tous les jours, là. On fait beaucoup de choses. Hein? Du matin au soir, on bouge, on agit. Il faut quand même maintenant reconnaître que dans la masse d'actions qui égrènent, qui ponctuent notre journée, il y en a, somme toute, assez peu qui sont susceptibles de nous extraire du samsara. Et encore moins qui sont susceptibles de nous propulser dans l'omniscience, c'est-à-dire de nous faire atteindre la bouddhéité. D'une part. D'autre part, il faut bien comprendre que aucun fruit n'est obtenu sans effort. Et donc, si on veut s'extraire du samsara, ou si on a besoin de ne plus du tout souffrir de manière radicale, ou encore mieux, d'atteindre la bouddhéité, ça dépend de l'esprit. Il faut bien comprendre. L'acteur principal, quasi exclusif, c'est l'esprit. Bon, maintenant, revenons à nos activités de tous les jours. Donc, tous les jours, on bouge, on fait beaucoup de choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut être heureux. On pense que les choses qu'on accomplit dans la journée vont nous apporter, d'une manière ou d'une autre, un réconfort, un bonheur, une élimination de problèmes,
Voilà, voilà pourquoi on bouge. Donc, on bouge, disons, même si ce n'est pas conscient au jour le jour, mais on bouge pour jouir des plaisirs sensoriels à terme, pour être heureux, pour jouir de ce qu'on aime, ce qu'on a défini comme agréable, des amis, de la proximité, du fait d'être aimé, reconnu, respecté, l'argent, les richesses, le confort, quoi. Il faut savoir, maintenant, ok, on nous fait redescendre. Il faut savoir que quels que soient les efforts, quelle que soit l'intensité avec laquelle on va travailler, l'intensité qu'on va mettre dans nos activités pour obtenir le bonheur dans le Sahara, on ne pourra pas l'obtenir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pas comprendre de travers, comprendre comme c'est dit. L'existence est souffrance. On va dire ça. Donc la vie, l'existence, le samsara, la nature du samsara, c'est la souffrance. Donc nous, on est dans le samsara, l'existence conditionnée, c'est ça? Le devenir, l'existence est souffrance par nature, quoi qu'on y fasse, quoi qu'on veuille en faire, quelle que soit notre volonté et l'intensité qu'on met. Ok, donc ça, il faut le reconnaître comme si Moshi, il faut le faire venir au jour là. Il faut le reconnaître vraiment, il faut le comprendre et le voir, d'accord, le savoir. Et une fois qu'on sait ça, c'est seulement une fois qu'on sait ça vraiment, qu'on le vit, qu'on le sait, qu'il n'y a plus qu'une seule chose importante à nos yeux, c'est atteindre la bouddhéité. C'est-à-dire, au minimum, s'extraire de cette condition, c'est-à-dire sortir du samsara, sortir de l'existence, et au mieux, atteindre la bouddhéité, l'omnisciente parfaite, authentique et parfaite. Okay? Et donc, ça, c'est un état d'esprit, on peut dire. C'est un pli qu'a pris notre esprit. C'est un pli qu'il faut lui donner. L'eau. Et donc, l'eau, littéralement, c'est ce mental, quoi. Ce mental, cette attitude mentale, ce pli dans l'esprit. Il faut bien reconnaître qu'il est un peu faible chez nous. Hein. On n'a pas vraiment bien plié. On n'a pas vraiment bien décidé, quoi. On n'a pas vraiment compris. On n'a pas compris. À preuve, tout ce qu'on fait tous les jours. On n'a pas vraiment ce qu'il en était de l'existence, par nature. Et c'est là tout l'objet de la prière. En fait, cette prière consiste à dire, s'il vous plaît, Tienrezi, transformez-nous. Faites-nous comprendre, quoi. Faites-nous voir. Faites-nous savoir ce qu'il en est, réellement, de notre existence. Arrêtons de nous voiler la face et tout ça. C'est ça, cette prière. S'il vous plaît, faites-nous comprendre. Transformez notre esprit. Redore tele sonji chandin de ge pena korbu go jungin te kandide sen pena a me jungin de chawa chagi se pai ba re a de me jungin chagi se pai ba nongin ane korbu go jungin te nongare son ba re kane mi ge rongjin a me me jungin te chawora wa tuna te ne ko chigira wa. Alors, il faut bien comprendre que pour nous, ce n'est pas du tout évident. Et pour le Bouddha, ça l'est. Pour le Bouddha, la nature douloureuse, ou le fait que l'existence soit souffrance par nature, pour le Bouddha, est aussi évident, ce fait, ou cette vérité, est aussi évidente que le fait que le feu soit chaud. Et donc, le Bouddha lui-même a dit que la souffrance et la nature du samsara, de l'existence conditionnée,
De même que la chaleur et le pouvoir de Chalcidène est la nature du feu. Le feu est chaud par nature. Il a cette capacité, cette faculté de calciner, de brûler, quoi, par nature. Il faut comprendre dans ce sens-là. Exactement de la même manière, ni plus ni moins, l'existence a la souffrance pour nature en elle-même, quoi. On dit da korba de dongang go jong yin re dongang pe na korba de no le de wa dong dongang kan yo ba tang che ge sa wa da wo de na nga rong so go sa yo be le de yi ba re donc le samsara a l'existence a la souffrance pour nature. Le samsara a une nature de souffrance. Alors bien sûr ça se dit, ça se comprend et ça se montre également. Ça se démontre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le samsara est produit par nos actes. Le résultat est le fruit de nos actes. Alors, en gros, hein, il y a deux sortes d'actes. Les actes qu'on définit a posteriori comme vertueux et non vertueux. Pourquoi ils sont dans cette catégorie ? Parce que tout simplement, le résultat des actes qu'on a définis comme vertueux est le bonheur. Donc, ce qui produit le bonheur est défini comme étant un acte vertueux, à terme. Et les actes, ce qui produit le malheur est défini comme un acte non vertueux. Les actes non vertueux produisent la souffrance, quoi. On dit que dans la raison, les mégawas sont les top chevals, les gens qui sont 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 les gens qui Donc, les actes non vertueux. Au plus fort de leur puissance, hein, lorsqu'ils ont beaucoup de poids, de force, produisent comme résultat une renaissance dans les enfers. Et de la même manière, hein, symétriquement, les actes vertueux au plus fort de leur puissance, donc les actes vertueux très lourds, j'ai dit non vertueux, hein, non vertueux pour les enfants, non, négatif quoi. Les actes vertueux positifs au plus fort. Alors, puisqu'ils produisent les renaissances qu'on appelle les renaissances heureuses, donc les renaissances divines, ou bien les renaissances dans de bonnes conditions chez les humains, par exemple. Alors, si par la force des actes non vertueux on a pris renaissance dans les enfers, bon ben, par définition, il n'y a pas du tout, il n'y a que de la souffrance. Il n'y a aucune once de bonheur dans les enfers. Ça, c'est OK. Mais maintenant, quand par la force des actes vertueux on a repris renaissance dans des sphères qui s'appellent les sphères positives, supérieures, il y a certes du bonheur, c'est agréable, mais il y a également de la souffrance, pas complètement exempt de souffrance, la renaissance divine, etc. Tiens, dit-il, ta croix dit non là, donc on t'a ne me va deva chipo, c'est ça que ça j'ai dit, mais deva. Et du coup, c'est ce qui fait dire au Bouddha que le vrai bonheur n'existe pas dans le samsara. Dans le samsara, il n'y a pas de pur bonheur, de vrai bonheur, de véritable. On ne peut pas être véritablement heureux, définitivement, dans le samsara. On dit que nous avons 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 dit Mandava donghan namba songje tado nagre sen sumbare.
Donc ensemble, j'ai rangé. Et donc, une fois qu'on est existant, c'est-à-dire qu'on est pris dans le devenir, c'est-à-dire le samsara, le cercle, le cycle, quoi. Eh bien, on est imprégné, on est formé en quelque sorte par les trois souffrances. On incarne les trois souffrances. On ne peut pas en être séparé. Les trois types de souffrances nous forment en quelque sorte. Et dans la langue, nourrir notre compréhension de ce qui est véritablement la nature de l'existence, c'est la compréhension de ce qu'est la souffrance. Évidemment, pour connaître la souffrance comme étant la souffrance. Donc, il y a trois types de souffrances. La souffrance de la souffrance au carré, la souffrance du changement, et troisièmement, la souffrance, on peut dire, qui imprègne, toute imprégnante, qui imprègne le corps, l'existence, les agrégats. Télia Tombo, Pena Dongal du Donga, Sena, Pena Aronso Gulula, Samandavo, Hadawo, Subina, Nazatongre. Aronso Ngoni, Combaba de Cavalla, Tene, Susunayo, Pena Nazatiobre, Tien de la Lude, Pron, Pena Dongal Gonji, Yimba, Tedicene, Dongal du Donga, Sigure. La souffrance, c'est les désagréments manifestes. Alors, non seulement on a un corps, mais en plus ce corps peut souffrir. On dit en quelque sorte, comme si ce n'était pas déjà suffisant d'avoir un corps, d'avoir à nourrir, à faire attention, à dormir, machin. En plus, il peut souffrir. C'est-à-dire que des pieds à la tête, il n'y a pas un centimètre carré du corps. Si, par exemple, on plante un couteau, on plante une aiguille, on plante quelque chose, ne souffre pas. Et du coup, tout le corps, entièrement, on va dire des pieds à la tête, hein, du bout des ongles jusqu'à partout, quoi, a cette capacité de souffrir si jamais il est brûlé, piqué, peu importe. Okay? Et donc, ce qui fait dire que le corps est souffrant. Le corps, dès lors qu'il rencontre des circonstances, il souffre. Il souffre partout, il peut souffrir partout. Il n'y a pas un centimètre carré du corps qui se trouve hors de cette condition de souffrance virtuelle, potentielle. Ni pas jurbu donghante kandisigal sena ta jurbu donghante tombo nganzo pena ngo dewan dawochi yona yon ti ngo ti nen jurne donghan La souffrance du changement, on peut dire, qualifie le samsara lui-même. Parce que la souffrance du changement, c'est que tout ce qu'on peut obtenir dans le samsara comme bonheur ne peut pas durer. Et donc, se révèle au bout d'un moment. C'est ça l'idée. Au bout d'un moment, ça révèle son vrai visage, sa vraie nature. Et donc, on était heureux, tout était réuni pour le bonheur, mais ça ne dure pas, ça change. Donc, ça se révèle en souffrance. C'est ça la souffrance du changement. Peut-être que le changement, en fait. C'est, par exemple, on a froid, donc on souffre. On souffre du froid, on a froid. Eh bien, on va près d'une source de chaleur. Par exemple, on va au soleil. Donc là, normalement, la souffrance est dissipée et c'est le bonheur. Or, si on reste trop longtemps au soleil, on va griller aussi. Donc ça, ce n'était pas le bonheur. Tu comprends ? Ce n'était pas là le bonheur. D'une part. Ou d'autre part, si on a froid, on va au soleil près d'une source de chaleur.
Mais dès que ce soleil est voilé ou que la source de chaleur diminue et épuisée, ça revient comme avant. Le froid est là. Donc, on n'avait pas dissipé. Donc, des deux manières, on peut voir qu'on souffre. La souffrance, c'est ça la souffrance du changement. Ta sumba de chabanduzi dongare. Chabanduzi dongan sena ta roni ngaron pena su ron soso dongan je jonghon da wotre tore. Pena nganzo la sachi nyelen je khombo lun de chok sabu shugula tombo dongan ge ye da woton maon bala dongan ge tene je ne da wote soso re tore. Ensuite, il y a la. Alors, si je veux traduire littéralement, la souffrance qui imprègne Douché, toutes les considérations, toutes les perceptions, hein, ce qui fait en fait référence aux agrégats, quoi. La souffrance qui imprègne les agrégats. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes notre propre source de souffrance. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Hein, que la souffrance, elle n'arrive pas des circonstances extérieures. Hein. Ce n'est pas à cause de cela, ou à cause de eux, ou à cause de lui, à cause de ceci, que je souffre. Non. On est notre... La souffrance est autoproduite, en quelque sorte. On est notre propre source de souffrance. Du fait d'avoir un corps, on agit, et donc on plante des causes, et dans le futur, les causes rétroagiront sur l'agent. Et sur personne d'autre. Mais du coup, l'agent, l'acteur, quoi, celui qui a agi, est producteur de sa propre souffrance. Tu comprends ? Donc, c'est dans ce processus que nous sommes notre propre source. La souffrance est en quelque sorte autoproduite, enfin, en tout cas, produite par l'acteur, par l'agent lui-même, pas par des sources extérieures. Et du coup, c'est que dès lors qu'on a un corps, France, elle sourd, elle jaillit comme ça, continuellement, à chacun des actes. Et c'est ce qui s'appelle la souffrance toute imprégnante. Benada, Aronso, Mita, vous êtes chargé, yon dog, Tiwi, Tamate, Gedo, Gengo, Chadro, Galu, Tamate, Karichavresena, Nagre, Nasatum, yon. Now the Tama de Carion Resena, Shidore, Ten Telan Aronso, General Miller, Jaga Najig Donga Le Taria Dabotet and Never. Pour apprendre, par exemple, on peut prendre un exemple. Si on prend Renaissance en tant qu'humain. Le mûrissement, le fruit, hein, en quelque sorte, le résultat de la naissance, c'est la vieillesse naturelle, contenue même dans la naissance, en quelque sorte. Okay? Donc, le fruit, le résultat de la naissance, c'est la vieillesse. Bon, la vieillesse, évidemment, les fonctions vitales se détériorent, s'affaiblissent, et du coup, c'est apparenté à la maladie. Au sein même de la vieillesse, en quelque sorte, puisque ça se détériore, il y a la maladie. Et le résultat, c'est la mort. Donc, ça s'enchaîne, en quelque sorte, comme si c'était un processus causal qui est contenu même dans la naissance. Et du coup, il n'y a aucun homme, aucun humain qui ne peut s'extraire, dès lors qu'il est humain, qui ne peut s'extraire de par sa condition à la naissance, aux souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc, les souffrances sont inhérentes à son existence. Il ne peut pas s'en extraire. On dit, Nanjing, quand on a un matin, on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps. On a un peu de temps, Nanjing, on a un peu de temps, 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 Tenez corps longe, penjo, nien dans le gène, tigre tendo, manzo, tela long de gore, et de tela, junsin tel tene, maronzo, te tarba toyag le, duago coca, yunguio mare, tende, ta papa genese la tango, ta carita gorsena, tana, ti corba de cogu de dongo, rongin, but moshe bajetum, corban dele, te tabugo lo, tiala,
tacharonga ngala chinjila ne ne lo de lo wa je ton jis ta ten da te sa Et du coup, si on réfléchit, si on est cohérent, hein, si on réfléchit jusqu'au bout, quoi, pour de vrai, on comprend ce qu'il en est. On comprend notre, le sens, en fait, de notre existence, sa nature même, sur le samsara. Donc ça, c'est à notre portée, c'est à la portée de notre compréhension, de notre réflexion. Et or, notre condition, en quelque sorte, ordinaire, situation ordinaire, c'est d'avoir énormément d'espoir. On espère énormément d'espoir dans cette vie, placé dans cette vie. Donc on espère que on va avoir ce qu'on désire, qu'on va être heureux, qu'on va pouvoir partir, avoir des loisirs, jouir de toutes sortes de plaisirs, avoir des amis, être reconnu, être heureux. Énormément d'espoir dans cette vie. Tout est placé dans cette vie. Et c'est précisément à cause de ça, c'est précisément la raison pour laquelle on ne pense pas à s'échapper. On ne pense même pas à s'évader, à se libérer, à s'émanciper, à se délivrer de précisément cela même, à se délivrer des espoirs de cette vie, donc à se délivrer du samsara. On ne se donne pas l'opportunité de se délivrer, d'atteindre la bouddhéité, à cause de ça même, de cette vie même. Et du coup, ce qu'on demande à Tienrezi, c'est que comme on est pris dans ça, là, comme un genre, on est pris, un peu omnubilé, quoi. On lui demande d'éclaircir notre esprit, de nous faire revenir à la raison, quoi. Un peu de cohérence dans tout ça. Et du coup, cette prière dit, s'il vous plaît, faites-moi comprendre les choses telles qu'elles sont. Faites-moi percevoir la nature de la souffrance, ce qu'est vraiment la souffrance. Faites-moi sentir la souffrance pour ce qu'elle est, vraiment. Et du coup, faites-moi comprendre que l'existence elle-même est cette souffrance. Et faites-moi comprendre la nature du samsara. Transformez mon esprit, ma compréhension. Là, ça, t'as dit que tu as un nez mal. Tomé, tonné, l'aîné, ça peut tout. Chez donc, on a un nez, 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 on a Ok, donc tu peux. On est où là? Ok, donc par la force des actes, donc on continue là, à la fin de la page 19. Par la force des actes néfastes accumulés depuis les temps sans commencement sous l'emprise de la colère, on prend naissance dans les enfers. Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la chaleur et du froid renaître devant vous. Divinité suprême, Om Mani Padme. Lasso. Tan dig sonde de don la tenda kare cheng do sena nganjo ta sonde sena zo melam re do ad. Sonde do melam se ad. Tan de kare se do sena nganjo khorwa thoma me ba ne ene nye mo ba shedong go onge Donc voilà, là il s'agit d'une prière. En fait, bon, on traduit ça par prière en français. En tibétain, c'est soldeb, donc on plante en quelque sorte une direction. Menam, c'est des souhaits d'aspiration. Donc les prières, c'est des souhaits, des vœux, une aspiration qu'on formule. En l'occurrence, on comprend que depuis toujours, tous les êtres, par la nature même, des êtres sensibles, hein, développent des émotions perturbatrices. Et du coup, ces émotions perturbatrices
quand elles sont développées souvent et de manière répétée et intense sous la forme de la colère, les êtres accumulent des actes négatifs dont le résultat est de renaître dans les enfers. Là, ils souffrent de tourments, de chaleur, etc. Et la prière va consister, après la prise de conscience de ce qui produit les enfers, et dire que bien ces êtres qui souffrent intensément, puissent-ils renaître devant vous, puissent-ils en être libérés, puissent-ils renaître devant vous, Chenrezi, Omani Pamehong. Et du coup, ça explique quand on récite souvent, on entend souvent, on récite souvent ce mantra à six syllabes, voilà ce que ça dit, voilà la prière qu'on est en train d'effectuer, voilà le souhait, en fait, Omani Pamehong. C'est ce qu'on souhaite, en l'occurrence ici pour les aides des enfers. Voilà, c'est un niveau de ne tomber dans les liens habituels. C'est un angle ira ne suggé. Tu as donc un nom sensible. Sinon, pour de la route, tu vas sur un manège Holmes. Ensuite, page 20. Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de l'avarice, prend naissance comme esprit affamé. Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la faim et de la soif renaître dans la terre suprême du Potala, Omani Pamehong. Voilà, c'est un temps de la Kowa Toma Mebane, et Tamatata la Togopado, Niemomba, Sena Onge, Lengemba Sauberge, Devil Tene, et Yedog Nesu Jegore, et en de la Yedog Nesu Jesona, Maron Sola Yedog. Donc c'est pareil, une prière, hein, des souhaits qui sont formulés en disant que depuis les temps sans commencement, depuis toujours quoi, depuis les temps sans commencement, depuis toujours, dans le samsara, les êtres ont accumulé des perturbatrices, entre autres l'avarice, le désir attachement à l'avarice, qui leur a fait commettre toutes sortes d'actes qui ont pour résultat de les faire prendre renaissance chez les fantômes affamés, dans le royaume des yidak, des esprits avides. Qui souffrent énormément de la faim et de la soif. Et donc, je prie pour que tous ces êtres renaissent dans votre palais, dans votre terre pure, renaissent auprès de vous dans le Potala. Chenrezi. Lasso, ta sumbatela, tome dune lenin sabi tu. Ensuite, par la force des actes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de la stupidité, on prend naissance comme animal, puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la limitation mentale renaître devant vous, protecteur, Omani Pamehong. La zone digue, melam carré, son dédon melam carré, c'est du sena, dans la ronde de quoi, toma mebane, tamatata la togo pado, niemomba, de mungo unger, lengembassaba la tene, de lengembassabu, devu digue carré, c'est du sena, tundrule c'est du sena, tundrule c'est du sena, et n'aronzo la tundrula, lingin, gubu dongadon, pensin, c'est du dongayore. Ti dongadozo, Tienda Bogo, Tene, Tundog Nesu, Magopa, Tene, Gombuchenese, Cherongo, Tondo Java Shores. Troisièmement, les êtres qui, depuis toujours, ont accumulé toutes sortes d'actes sous l'emprise de ce qu'on appelle l'opacité mentale, la confusion, quoi, la stupidité. Accomplissent des actes en tant qu'animal,
les animaux souffrent du fait de se manger les uns les autres et de la stupidité, et donc d'être utilisés, exploités par les autres, sans liberté. Grande souffrance qui nous fait prier, qui nous fait demander que tous ces êtres puissent se retrouver devant vous, Chenrezig, se retrouver, renaître aux côtés de Chenrezig. C'est notre. La souta, yiwa de, tomi dune lenin sabi tu, deja ong me ne suje, telephon, donghon yon, senjin nam, shinjo, deva chen de jeva, aman de beme homes. Ensuite, par la force des actes néfastes accumulés depuis les temps sans commencement sous l'emprise de désirs attachement, on prend naissance comme être humain. Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la pauvreté renaître dans la sublime terre de grande félicité. Omani Padme Hum. Lorsque on dit que nous sommes des malencarés de ce sein, ta corva tombe mais pas ne tama data la tougue pas do niemomba déchago onge. L'engemba sapalatene, déinjigu, milchigure, milchevalatene, ene mila, takanga carrier sena, ta cheganajigu donganton, terra noye, trailie, pombe donhan, yavare, midosotan, aronzo, chinning, je machipato, pe tela savoyore, tela, susen rotigure, in attendas in a shura, made about rotigure, till tene, tenda bogota, dongan de nyon magopa, Alors, maintenant, depuis les temps sans commencement du samsara, les êtres ont accumulé toutes sortes de désirs et d'attachements qui les a fait agir, et le résultat de ces actions, de ces actes, a été une renaissance humaine. Les êtres humains souffrent des douleurs de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, d'une part, et d'autre part, des douleurs de l'inquiétude, de l'angoisse, de la préoccupation. Les êtres humains sont continuellement préoccupés, quoi, préoccupés par le demain, l'après, futur, etc. Et donc, c'est les douleurs de l'inquiétude, de la préoccupation. On n'est jamais tranquille. Et du coup, on prie pour que ces êtres-là s'extraient de leurs tourments, de leurs conditions, pour renaître dans la terre de Chenrezig, près de Chenrezig. La sota ngawadela tome dune lenisa pute. Chado onge lamin ne suje taze dongon yon senjin nam boda lai sendu jewa sho amane beme homes. Par la force des actes négatifs accumulés depuis des temps sans commencement, sous l'emprise de l'envie, on prend naissance comme demi-dieu, Asura. Puissent les êtres qui connaissent la souffrance des conflits et des affrontements dans la terre du Potala, renaître dans la terre du Potala. Omani Padme Hum. Asatan digi sonde melam karichegi dusena ane ngaronzo kowa thomma mebane taman tatala thugu pado nyemomba chodo ko onge lengemba sabi jivula tene lamingi nesu jero gres lamingi nesu jeso na ane tazegu donga yores tazegu donga de bena ta lamayin dozo no lai denya tong koronzo go longje la Tongue, de Tony, del Chadoje, then a lag and then the Chogos and the Marchion, Tapa, then a has it Chubashata da Tesin, then a Lala, crying Senna Coronso, Senam go Unger, Lassia de Coronsenam chair, Tese de Teletene, Tapa, Zendeache, Zendu Zamba, Coron Yakatogo, Marie. Or Tetabu, then a Donghon de Nyon Magova. Mm.
Donc, sous l'influence des perturbations mentales, des pensées discursives et des émotions, plus particulièrement ici de l'envie, hein, de la concupiscence, la convoitise, la cupidité, tout ça, différents actes ont été accomplis par les êtres. Hein. Les résultats de ces actes sont une renaissance chez ce qu'on appelle les demi-dieux. Là. Je ne sais pas si c'est demi-dieux, c'est pas. Les asuras, ce n'est pas super exact comme traduction. Les anti-dieux, normalement. Les asuras. Et donc, eux, ils souffrent du conflit, la guerre, des disputes constamment. Alors, qu'est-ce qui nourrit leur aigritude, leur dispute et leur guerre? C'est le fait de voir. Ils sont témoins des royaumes divins dans lesquels résident. Donc, ils voient les dieux, leur richesse, tout ce dont ils jouissent. Ils en développent de la jalousie, l'envie de la jalousie. Et ils essayent de faire la guerre aux dieux pour récupérer leur richesse ou pour les défaire, pour les faire chuter. Quoi. Et donc, les dieux, par la force de leur mérite, sans beaucoup d'efforts, sortent toujours vainqueurs de ces rixes, de ces conflits. Et du coup, ça amplifie, ça ajoute de la souffrance encore. Déjà que les demi-dieux, ils souffrent d'être en conflit constant. Et en plus, ils sont toujours vaincus. Et du coup, ça ajoute à leur souffrance. Lasso, ta chupa de la sonde de melancarie de Sena, ne tombe de ne l'ennin sape tu, nalja ong lai ne suche, hodon dongonion, sentinam, oda lai sentu jevasho, amane beme hons. Ensuite, page 23. Par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement sous l'emprise de l'orgueil, on prend naissance comme Dieu. Puissent les êtres qui connaissent la souffrance de la chute renaître dans la terre du Potala, au Manipamehon. Nasdan dino kare kogdo sena ane ngaronso kwa thoma meba ne ane nyamomba ngajago unge lenge basabe dribble tene laine suje rogres laine suje na ane chipodongu donga yo chipodongu donga se de jino lade pe longje chembuje ane pe singhan longje pe chipo yobare de yina yon tama 내가론 그 세남데 세요나 아니 라인에서 다 지구부 도가래래 근데 로 몸보거래나 아 소소 제 룰라 주망년 반주야 또 고로 또서 근데 사박한다 님바 차도야 또 어때라 소바 때네 때네 라인노는 수드페네 동한 몸보지 용고 그래 당아 시안에 레도 시네 당연성을 제도 그래 Sixièmement, donc depuis les temps sans commencement, depuis toujours, depuis l'absence de début, quoi, du samsara, les êtres ont accumulé de l'orgueil, des différentes afflictions et émotions d'orgueil qui se sont produites. Et quand elles se sont traduites en actes, ces afflictions orgueilleuses, elles ont produit comme résultat une renaissance chez les dieux. Les dieux souffrent de la douleur du transfert, la souffrance du transfert. C'est-à-dire que pendant leur vie, les dieux, bon, ils ont tout ce qu'il faut, hein, sensoriellement. Aucun problème, ils manquent de rien, donc ils souffrent pas tant qu'ils sont en vie. Mais ça, c'est un produit, d'accord, c'est un résultat. Et donc, lorsque leur mérite, c'est leur karma, quoi. Lorsque leur mérite arrive à la fin, s'épuise, à cessation, alors il y a différentes choses qui se produisent, comme par exemple le fait qu'ils ne maîtrisent plus les éléments.
Donc, ils ont une absence de maîtrise des éléments, ce qui fait qu'ils transformaient leur corps à volonté, hein, selon leur désir. Et tout ça. Ils avaient toutes sortes d'ornements et de richesses à portée de main dont ils pouvaient jouir continuellement du fait de leur maîtrise. Et ils perdent leur maîtrise et donc, par exemple, leurs habits se flétrissent, leur apparence physique dépérit, se fane en quelque sorte, comme les fleurs qui ornent. Ils étaient dans des couronnes de fleurs. Les fleurs se fanent. Ils voient qu'ils n'ont plus la maîtrise. Et ils commencent à sentir mauvais. Donc, nous, on peut comprendre cette souffrance qui est vraiment décuplée quand quelqu'un qui sent vraiment mauvais, qui devient repoussant, quoi. Les personnes ne veulent plus s'approcher de cette personne. Et cette personne en est pleinement consciente, avec beaucoup d'acuité. Elle perçoit ça. Et donc, on peut comprendre un peu la souffrance que ressent cette personne. Ben, chez les dieux, c'est démultiplié, hein, cette souffrance. Et donc, c'est une souffrance terrible à la fin de leur vie. Ils sont tout seuls comme ça. Et donc, afin de les délivrer de cette souffrance, on prie pour qu'ils puissent renaître auprès de Chianorezi. La sotati jilma dane jiyin jiwa tangje to jenenze don seba tsumba yi. Mada shenke drono drolwa ton sonjo yidu sojo jepar shos. Alors, ensuite, page 23 au milieu. Quant à moi, puissais-je dans toutes mes naissances et renaissances, par une activité pareille à celle de Chianrezi, libérer tous les êtres des sphères impures et diffuser la parole suprême des six syllabes dans les directions de l'espace. Lasso, tandi nonna kare kogdo sena ta da sena ngaro re nga jewa sera thamche la ne chene se nyalen se ne chene se go kofon ngen do chene ena chene se ge joden do nyamba ene senjin thamche le pain toba shots de yon tene kowan din nonna ta mada be shinkan la chene ena chene se ge senjin yin la pemba kandit se dugu yo na nge ten non yin se te se nantin papa chene se ke zonga ike trupa ko go ne senchin nam korba donghan je jansol le cha ne harba don thangji chenpo kongfung kongfung la ke topa sho se ne melam jaga sere. Donc ensuite, alors là ça nous concerne, enfin ça concerne celui qui lit, ça concerne moi-même, parce que Dax c'est moi-même. Et on fait la prière que moi-même, dans toutes mes naissances, puisse-je atteindre le niveau de réalisation de Chianrezi et du coup être bénéfique et utile à tous, partout et tout le temps. Puisse-je aider vraiment les êtres, que cette aide soit véritable, réelle et à l'échelle la plus vaste, de même que Chianrezi par les six syllabes, donc par la force de son mantra. Moi, ici et maintenant, donc maintenant à l'heure actuelle, hein, puisse-je traverser l'océan de souffrance du samsara et m'établir dans le niveau de réalisation qui me permettra d'aider les êtres comme Chianrezi. Donc, d'atteindre à terme. La sotate jite la pancho che la sowa depe tu dabe duzar chube drobana lenji lulin gewe le la tsan. Ah, pardon, j'ai perdu la page. Ouais, merci. J'ai voulu baisser la lumière. Par la force, alors page 24, par la force de la prière qui vous est faite, les êtres que j'ai à éduquer, accepter pleinement la loi de cause à effet et s'efforcer aux actions vertueuses. Puissais-je détenir le dharma, puissais-je détenir le dharma pour le bien des êtres? En français, c'est jusqu'à vertueuse. Puissais-je détenir le dharma pour le bien des êtres, voilà. La phrase du milieu de page 24, voilà, c'est ça.
ce qui a été sélectionné là. Puissais-je détenir, jusqu'à puissais-je détenir le dharma pour le bien des êtres? Là, ce temps dit que car c'est que dosena, malam car c'est que dosena, tenez ni papa chenise que Gandhi, nyalenche, chelo sovan tapal tenez, sova tap que chelan tenez, maumpa na, ene nga chenise tapu chune, senchin yeng ten, sebuka la. Ani ngeg duza tu chuve senchin tuso kanga pe tene shira ton demba gevig le kan shena yon lanson ko topa ton te nonjen dru topa ne nga roden yon wa sho o sek to. Alors la prière consiste, donc c'est un souhait, une demande. La prière consiste à, alors c'est une prière pour le futur là. Puissais-je dans le futur acquérir le discernement et la sagesse nécessaires et suffisantes pour développer ce discernement et cette sagesse précisément sur les êtres, en les êtres. Chez les êtres, et que par mon action, c'est-à-dire d'enseignement sous toute forme, sous quelle que soit la forme, les êtres avoir le discernement de discerner ce qui est vertueux de ce qui ne l'est pas, non seulement ça, d'avoir cet éclairage, cette compréhension, cette lucidité, mais également de s'engager par la suite dans ce qui est vertu, donc de comprendre d'une part en quoi consiste la vertu et où elle réside, dans quel acte elle peut s'exprimer, et ensuite exprimer la vertu, c'est-à-dire l'accomplir, et du coup la petite s'émanciper. Et donc moi je prie pour avoir cette capacité d'incitation, cette capacité d'éveil chez les êtres de compréhension. Lasso, ta ti yenta te, tig yenta te, tanganzo, muyila, la gambaton, hot dawa, niyoguku no ne, tene, tang hot dawa la, sonde to go ne, tujikuaton, wizard to do latin, gosun lai, nonjo to seba, niyoguku no ne, ane, tanda te, kanga, soan debe, yalam, jeto. Sonde to go ne, tujikuke, yalam. Donc maintenant, concernant l'architecture du texte, dans la deuxième partie, qui est la partie principale, il y avait donc toute la bouche les dernières fois, visualisation, etc. Et il y a également la sollicitation, l'exhortation à tiendre les yeux. Preuve de mansuétude, même plus de compassion à notre égard. Donc, l'exhortation à la compassion, on demande quoi, qu'il soit compassionné, s'il vous plaît. Et ensuite, il y a des rayons de lumière qui s'émanent de ces trois portes. Là, on a expliqué ce qu'il en était de l'exhortation à la compassion par son mantra. Donc, je ne sais pas comment on demande à ce qu'il soit compassionné, on exhorte sa compassion par son mantra. Donc ça, on est à cette étape-là. Là, so, ah, moi, j'y n'y pas. Ah, moi, d'avoir là, tenez, d'ancien n'y a eu, non, n'est, c'est moi. Ah, vous êtes trop de la tenez, gosson, là, et non, j'y a eu, j'y a eu, quoi, t'es, t'as ma chouri. Dites ça, son, Malépé. Yongre la kaisena ngoyi la la gamba don nga dawa ni yorwa la gamba kondon rosene nga dawa la nga dawa tela tensin ni yorwa nga dawa tensin ni te tensin tombo te tene sowa chenezel sowa dane tuji kuwa ton ni pate weze trodul tene goson la no joto chepa ni yorwa te nota tuji kuwa kondon rosene ta gosson, wese trop de la tene, gosson la yon nanjo de jutsu,
Kotre. Nasbazi. Donc, dans cette partie principale, le cœur de la pratique, dans laquelle il y a la méditation sur la déité et la récitation du mantra, là, on est dans la récitation du mantra. La récitation du mantra elle-même comprend deux sous-parties qui sont premièrement la prière et l'exhortation à la compassion, donc le pouvoir, et deuxièmement, les rayons de lumière qui s'émanent des trois portes qui transportent la compassion. Donc là, ce qu'on va aborder, c'est la deuxième partie de la récitation du mantra, à savoir, après avoir prié la compassion, les rayons de lumière, les trois rayons de lumière. La sotate la tanji tini ma la tetar tseji solta pe pabe kule weze tru mada leno trushi jong sene dewa chenji shen nongji chenju lunga sen chenen ze un kusun tu nongda reiton ye me churu sene tini nga rongza padre du. Et donc c'est par le fait voilà, on sélectionne. Par le fait d'avoir prié ainsi, l'esprit unifié, les rayons de lumière émanent de la forme du noble Tianrezi et purifient la manifestation karmique impure et compréhension erronée. L'univers extérieur devient la terre de grande félicité en les corps, paroles et esprits des êtres animés qu'il renferme. Les êtres animés qu'il renferme deviennent les corps, paroles et esprits du puissant Tianrezi. Apparence, son et conscience deviennent indifférenciés du vide. Voilà. Mani Pamirong. Lasso. Tan din denbuka la, din densan, tening anzo, ta amani pemihong, sen hardon entre. Tan dika la, maronso, mipa, mipa kandiji gobudo sena. That's so de, maronso, kondo, de tabu, sova tabu kala. Maronsogo lo ji sen jik tane pet genesel sowata agiyore teta wo sowata pala tene ane maronsogo jiwo subto yepa papa genesel te kule wezer cho wezer de kado nga kado nga go none kado shubchenbo yoba pado meba chogogodo. Di wezi tu chu ni ta tenda kari dhubu dhu se na da tong senjin tangche la poba zangje dhamme wej mumba sawa ta si di yin de tala ta di wezi tu chu di rong yin senjin tangche la di wezi tu poba zangje bena nga rong zo yini mumba no la kari sekri lo chi pa gana lang song mumba de hi dhubu rwa bena nankala nyuma shao na jitin di tenga mumba rongin shidog rwa pe te nongin ane ngaron so kata kowa thoma meba ni sa yabu ki diba ton diba to so chonggo go yore chonggo go yore. Là on récite le mantra en fait Mani Padme Hum. Au moment où on récite le mantra, il faut visualiser à peu près de la même manière que ce qui s'opérait lorsqu'on faisait les prières là, à Tianrezi, c'est-à-dire l'esprit était concentré uniquement en un seul point sur la prière qu'on effectue à Tianrezi. Là, avec le même type de concentration, Tianrezi au-dessus de notre tête émane des rayons de, le corps de Tianrezi émane des rayons de cinq couleurs extrêmement qui remplissent quoi, ils remplissent tout l'espace, ils s'émanent et ils vont partout quoi, dans les directions, ils remplissent l'espace et ils vont rencontrer les êtres. Gonda, Netzalmas ou Gonda. Pardon, j'ai pas fini. Alors, pardon, rapidement, ils vont rencontrer les êtres. Lorsqu'ils rencontrent les êtres, ils dissipent les voiles
les fautes et les erreurs. Exactement de la même manière que lorsque du vent et du soleil paraissent, les brumes matinales se dissipent. Exactement de la même manière, les rayons de lumière de Chiamariti dissipent les brumes des voiles et des voiles karmiques, quoi, et des fautes des êtres. Bonda, Lasso. Dans un autre débat, carré tago, Gersena, Rongin Sengin Namje, Jelle Yebe, Kova Toma Mebane, Tamantata la Togo Pado, Sayabe, Ne, Niemomba, Kansa, Tom Mebana, Migueva Chu, Yorane. Donc, quelles sont les fautes dissipées par ces rayons de lumière? Les fautes sont tout ce qui a été accumulé dans l'esprit des êtres depuis les temps sans commencement, sous forme d'émotions, et qui se sont traduits en actes. Donc, les cinq actes à rétribution immédiate, comme on dit, les cinq actes incommensurables, et les dix actes négatifs, les dix actes non vertueux. Il y a un peu de temps, il y a un peu lata se ndra sa se meba shin do ne jo dipa cha chembo lo ko gyo re na ti dipa cha chembo de kare re sena rong pa ma loben da jamba se ba don jawi ko le ne sen che ba nga de ba re c'est trop de bruit tac 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 Qu'entend-on par les cinq actes, soit traduit par les cinq actes incommensurables, les cinq actes de rétribution immédiate? Ce sont le fait de tuer son, soit son père, sa mère, son professeur, un arhat, un destructeur de l'ennemi, un arhat, ou de provoquer un schisme dans la communauté, donc de faire que la communauté, la sangha se dissipe, se disloque. La sota migewa chusena ane ngaronso ta lujugo ne so jeba don mazin ba lomba mezon wa jeba son yare. Pour ce qui est des 10 actes non vertueux, les 3 actes non vertueux du corps sont le meurtre, enfin trancher le courant vital littéralement d'un être animé, de prendre ce qui ne nous est pas donné, le vol, hein. Prendre ce qui ne nous est pas donné et la conduite sexuelle. Ngak gone ta zain ton tama tene zain tama tsitsu ngacha ye yore. Les 4 actes négatifs de la parole sont le mensonge, donc l'imposture, le mensonge. Les paroles qui les critiques, les paroles de discorde qui visent à provoquer le trouble chez les gens, les paroles de discorde, les paroles dures, les insultes, les mots durs, et le bavardage, les paroles inutiles, quoi, à considérer. Penjur rong la chong na sambe ka nasem ane yin la ne par chube tha la sambe nesem dene tharbe penya ton dibe nyime midin sambe tawal lo ba te song yo le. Pour l'esprit, les actes négatifs de l'esprit sont de vouloir posséder les richesses des autres. Puis, j'espère que ceci va me revenir, donc la convoitise, la cupidité. Deuxièmement, souhaiter le mal, j'espère que cette personne va tomber, va souffrir, etc. Donc, l'esprit nuisible qui souhaite nuire à autrui. Et enfin, le fait de dire que la libération n'aide en rien et il n'y a pas de loi de cause à effet, donc les vues erronées. Atela dipa megewa chus megewa chute ngaronso lujugo ne song ngago ne ye yijugo ne song redwa. Donc ce qu'on appelle les 10 actes non vertueux sont les 3 actes négatifs du corps, les 4 de la parole et les 3 de l'esprit.
On t'a dit que tu as 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 dit que
être des obstacles pour nous faire atteindre dans le samsara, au sein même du samsara, les sphères supérieures. Donc ça va être des, ce comportement, ce type de comportement, de perte du temps un peu neutre comme ça, hein, voit des obstacles pour nous faire atteindre par exemple les états divins ou les meilleurs états humains, d'une part, et d'autre part, vont être manifestement des obstacles pour nous faire sortir du samsara, pour nous extraire de la souffrance, et des obstacles pour nous faire atteindre l'omniscience, la bouddhéité. Donc voilà en quoi consiste leur négativité à ces actes en quelque sorte un peu neutres. On a dit que tarbaton, benatoriton, tavala, parjeton, kenge, dibaton, non yen, ne, sir, sosu tabi damba, non, jonju, senje damba, soman hoje damba la soba, shuni, ne sosu go shuche, tel maguba, uja meva, ne pa mebe on de ton ne, ta damba nyambala tene, kandi chagurisena, nega. Nendol dogure, Nesong doval dogure, Tendabo dogure, Tene, ta le Panche ton Penanganzo, Lava le Chunjung, Chunjung in Ion, Tanganzo, Penang Nesong dogure, Jo, Jovaton, Chunjuk, Togugu, Tule, Tene, Payanumbo Chugugu, ta, Chugugu letters of Kanga, Ah, somewhere. Papa Chini se que vous êtes un arôme sur le papa le tenez. Ah, d'accord. Donc, ces actes un peu indolents, indéterminés. Bakme, c'est important de comprendre ça. Bakme, c'est en quelque sorte inconscient. On ne fait pas attention. Non attentif. Indolent. Hein? On est tranquille. On rêvasse. Quoi. OK, bon. Donc, non seulement ces actes, ces états d'esprit, et du coup ces actes, sont des obstacles à la renaissance dans les sphères supérieures, comme on dit, et encore plus des obstacles à la libération du samsara, mais pour quelqu'un qui aurait éventuellement les vœux de fidèle laïque, ou bien les vœux de libération personnelle, ou bien les vœux de bodhisattva, ou bien les vœux de mantra secret, cette attitude, un peu, je sais pas comment bien traduire, indolente, quoi, on fait pas attention, on tranquille, on se laisse aller, on rêvasse, on perd du temps. Cette attitude fait renaître dans les enfers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sous l'emprise de cet état d'esprit, eh bien, on manque d'aspiration, on manque de respect, on manque de dévotion. On a une attitude qui est pas, on est un peu tranquille, cool, quoi. Et on n'est pas dans la retenue, quoi, dans le respect, dans la dévotion, dans cette attitude de foi, évidemment à l'égard de ceux envers qui on a pris ses vœux, ces différents types de vœux. Et du coup, ça c'est assez grave, c'est une attitude qui est grave, qui a de graves conséquences. Donc on peut voir que même si ces actes ne sont pas répertoriés explicitement comme étant des actes négatifs, l'indolence, tout ça, là, la rivasserie, je ne sais pas comment dire, l'absence de vigilance, ça peut avoir des conséquences quand même pas mal graves. Hein, d'une part. Et donc, ça, des fois, on n'en est pas conscient. C'est des actes conscients ou inconscients. Bon. Et donc, comme en vertu du principe causal, des actes, des actions infimes, minimes, peuvent produire de grands fruits, donc des petits actes non signifiants, insignifiants, peuvent nous faire renaître dans les enfers, ou au contraire, peuvent nous propulser vers les réalisations spirituelles les plus hautes, eh bien, on demande à Chenrezi de purifier tous nos actes négatifs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur teneur, qu'on soit conscient, inconscient, qu'ils soient forts, gros, définis comme des actes négatifs ou pas, tous les actes négatifs, quels qu'ils soient, puissent-ils être purifié par vous, vénérable Chenrezi. Autant de cas là, tenez, Penatan Aronso, Kwa, Korwa, Toma Mebane, Taman Tatala Togo Pado, Korwa, Chongo Burger, Kowandela, Negobe, Sawa Dawote, Karel Chumbaresena,
다 동 옌세네 닌징 어 출부가 바찰 때네 좀 바래 어때다부가 때네 닌징 출부가 바자도 시즈게 드바도 제바 존네 근데 나론소 그 르가 예선도 파바제네세 그 고송토 예르 메지바촌에 나론소 롱진 신진 단체 그 베나 르 대용 샤타 글로보 마이바 자상 자상은 넘버다부 템 파바제네세 그 콜라 저쪽이 요바래 Et ce qui est vraiment la racine, les fondamentaux, ce qui nous fait souffrir vraiment, hein, pour de, au fond, quoi, c'est que depuis toujours, on n'a pas fait autre chose que de considérer qu'on existait. Et donc, on n'a pas que de se prendre pour soi-même. Et du coup, puisqu'il y a cette saisie d'un moi, imaginez, illusoire, il y a la saisie d'autrui, comme étant séparé de ce que serait moi. Okay? Et donc, sous l'emprise de cette confusion, de cette méprise originelle, du fait qu'il y a moi et autrui, et donc de cette saisie duelle, toutes sortes de tendances, de penchants, de prédispositions se sont formées, puis se sont traduites en actes. Et les voiles se sont épaissies. Et du coup, l'opération, ce qu'on demande à Chenrezig, c'est que de faire que ces corps, paroles et esprits libres viennent influencer nos corps, paroles et esprits illusionnés, viennent purifier cette illusion, viennent éliminer la maîtrise qui nous enchaîne radicalement depuis toujours au samsara. Et du coup, en quelque sorte métaphoriquement, mais là pour vraiment, par la purification de nos corps, paroles, esprit, de cette illusion-là, cette méprise, que notre corps devienne le corps de Chenrezig lui-même. Basso, tandis que là, tenez, très non-yen, pena. Papa Chenrezig ko kui wezer te ta nyawa yeda tondro mi lama yin la ke ne thangche le pope rizhu ke ne thangche yon ne njur ne dewa jeng ke shenkhang lan joson sanpa gong ko yare. Exactement de la même manière, la même opération à ce moment-là, c'est que les rayons de lumière s'émanent du corps de Chenrezig et vont dans chacun des six mondes. Vont chez les dieux, chez les anges, dans le royaume, dans la sphère d'existence des humains, chez les animaux, les esprits avides et les enfers, pour purifier tous ces états d'existence, tous ces lieux de souffrance, en Potala, en le palais de Chenrezig lui-même. Des lieux de joie, quoi, de content, de félicité. Là, ça, quand tu es dans le sens de Duna, tu es là, sonde du Gone, Papa Genesis, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Papa Genesis, tu es là, Wezer, Kado, Naden, Carbo, Shubchewa, tu es là, Rongin, Sentin, dans la Pope, quand tu débats ton débat tanti ta ne ne non ti de sinjin tanti jenen ze ko kol ju sun san ba ma ron zo sinjin ko long a ye sun ton jenen ze ko sun to a ye me ji ba ye ba me ba ju sun san ba ton de ga non yin ne we ze de ma ron zo ce ne jin ji de de ga non yin nya ba ye da ton zo ta ndo wa ri to ko ne le cha ba le ten ne a ne to zo kan ga lo de ne xin kham dewa cheng ge xing kong lun ju ni ani ji dong hong ge mai me ba de ji pen sun zo ba dewa dong de ji pen sun zo ba ju sun san ba gan ni wa da ti ten ji ngu yin da bo de de le zhen ni de ni de da bo de pe na jen chong ni de da bo ge mi ba de jen chong ni de ma ron zo ge a ma ne pe me hong sen ne ka ji tu den gu ge re thank you da ngu yi da bo de de re
Donc voilà. Voilà en quoi consiste le job, le travail, l'opération qui se présente. On fait la prière à Chenrezig. On a bien compris ce qu'on priait, hein, ce qu'on demandait, hein, quelles étaient la nature de ses souhaits. On sollicite sa compassion très fort. Par cette puissance, par cette force de la prière, des rayons de lumière s'émanent de son corps, des rayons de lumière extrêmement puissants, hein, à la mesure de notre ferveur, notre dévotion, des cinq couleurs, rayons de lumière des cinq couleurs s'émanent et vont rentrer en contact, toucher chacun des êtres. Dès lors que ces rayons de lumière touchent les êtres, les fautes et les voiles des êtres sont dissipées. Leur esprit est purifié, ce qui transforme leur corps, parole et esprit en corps, parole et esprit de Chenrezig. Ce qui veut dire que leur corps, parole et esprit deviennent tout simplement purs. C'est-à-dire que leur corps, parole et esprit deviennent indifférenciés, non différenciables avec les corps, parole et esprit éveillés de Chenrezig. D'une part. D'autre part, ces rayons de lumière vont également toucher les endroits où les êtres habitent, résident. Hein, par exemple, notre monde, quoi. Notre monde, notre système solaire, quoi, la planète Terre et tout ça. Ils vont transformer ces lieux en champs purs de Chenrezig. Et donc, chacun des lieux où réside, chacun des domaines d'existence, des dieux jusqu'aux êtres des enfers, vont être transformés par les rayons de lumière en champ pur de grande félicité. Et donc, il n'y a plus de souffrance, en quelque sorte, ni extérieure ni intérieure. Tous les lieux et les esprits et les corps et les paroles sont transformés complètement, ce qui fait que la joie, le bonheur, la félicité et le fait d'être heureux imprègnent tout l'environnement. Et dans le maintien de cette considération, dans le maintien de cette visualisation, clairement, on récite le mantra autant de fois qu'on peut. Et voilà ce en quoi consiste le cœur de la pratique. On dit que dans d'autres noms, pendant un jour, résister au delà de nous, gossons là, dans jour, c'est de ta papa tient les écoutes, les résister au delà de nous, ne, nous allons sur à tamapé, pendant longa y sont des nègres ne, ne, y dans que ta kasro ko som to yeme se pa yeba me pa chukuyore Et si on veut encore plus résumer l'opération là, le travail qui se fait, c'est que des rayons de lumière s'émanent des trois portes de Chenrezig, extrêmement puissants, viennent toucher nos trois portes, les trois portes de tous les êtres. Ce qui fait que nos corps, paroles et esprits ordinaires deviennent indifférenciables des corps, paroles et esprits éveillés de Chenrezig. Voilà ce en quoi consiste, en résumé, quoi, l'opération. Donc, ce qu'on appelle les trois portes, corps, parole et esprit. Nous avons les corps, parole et esprit impurs. Ce qui définit notre état d'être ordinaire. Nous sommes des êtres ordinaires, débutants, quoi, ordinaires. Ce qui veut dire que nos trois portes, corps, parole, esprit, sont impures. Et donc, l'opération va consister en sublimant ou en transformant nos corps, parole, esprit impurs en corps, parole, esprit pur. Corps, parole, esprit pur, ce sont les corps, parole et esprit des déités tutélaires. Et donc, voilà ce en quoi va consister tout le travail. Là, so,
tiring anzo ta tena shagi ni ene chiba tilen ra bundo na no sho kone she jaba to so le tezo yo halma go ba ton topa ya ba da yo na naso. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui.